Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui concerne les énergies de la semaine. Alors, c'est une vidéo que je devais vous poster hier, mais on a beau prévoir et planifier, les choses ne se passent jamais comme prévu. Donc, me voilà en train de poster deux vidéos aujourd'hui. Donc, les scorpions, les pauvres scorpions, en dernier et non pas hier comme c'était prévu, et puis les énergies de la semaine qui se déroulent là en ce moment. On est déjà mardi, c'est pas grave. Alors, je vais pas trop parler, on va y aller tout de suite, tout de suite. Quel message pour cette semaine? Allez, j'arrête pas de changer de... Non, je vais prendre celui-ci. Voilà, pour commencer. On me dit de prendre l'oracle des miroirs ici. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à nous révéler pour les énergies de la semaine? C'est un tirage général et collectif, donc temporel, puisqu'il s'agit de cette semaine. Et on va voir ce qui se passe, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, d'accord? Je coupe, on me parle d'hérédité et de santé. Ça ne m'étonne pas. J'ai certaines personnes qui doivent aller chercher... dans leur passé, dans la façon dont ils ont grandi, chez leurs parents aussi, chez le, dans l'enfance de leurs parents, toute cette éducation, cette culture qu'on se transmet et qui peut parfois créer des blocages dans la vie de certaines personnes. Peut-être que dans votre fratrie, on me dit, vous êtes celui ou celle qui a le plus de mal dans certains domaines ou dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes là pour casser ces blocages, malédictions, appelez ça comme vous voulez, intergénérationnels. Peut-être que vous avez été vu comme le vilain petit canard de votre famille. Vous êtes juste différent et vous êtes là pour casser ces blocages. C'est à vous de casser ces blocages intergénérationnels. Voilà ce que mes guides me donnent comme message principal pour vous. Alors, qu'est-ce que les cartes me disent pour vous? Alors, quelles énergies? Ouais. Quelles énergies pour cette semaine? Waouh! J'y en a quatre, je vais les prendre. Waouh! Ça, c'est très fort là. On parle de jalousie, on parle d'hérédité, on me parle de... Vous voyez, elle est quand même tombée. On me parle de tranquillité, on parle de clairvoyance. Moi, ici, on ne parle pas de sentimental, forcément. Alors, ça peut jouer sur le sentimental. Ici, on me dit que vous êtes un ovni dans votre famille. Vous vous isolez peut-être du reste de la famille parce que vous arrivez à un moment de votre vie où vous développez certains dons aussi, de clairvoyance peut-être, hein, j'ai la clairvoyance ici. En tout cas, vous développez votre intuition et vous avez... peut-être ouvert les yeux sur certaines personnes, sur certains comportements, sur certains, sur ce que les gens sont réellement, en fait, des gens qui font partie de votre entourage très proche. Pour certains, vous vous êtes rendu compte que bah, des gens de la famille proche ne vous aiment pas tout simplement parce que vous dégagez une certaine lumière. C'est de la jalousie, tout simplement. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de vilain petit canard, je ne pensais pas que tout ça allait sortir, mais c'est exactement ça. Et c'est le message qu'on vous donne. Waouh, je sais pas, ce n'est pas mon guide à moi là qui vient de se manifester en face, mais il y a un guide. En tout cas, si ça ne parle pas à tout le monde, ça parle à quelqu'un et c'est très, très fort. Ce n'est pas que vous êtes le vilain petit canard, vous brillez d'une lumière plus forte que celle des autres. C'est ce qu'on me dit ici. Et j'ai beaucoup de jalousie autour de vous, d'accord? Parce que on a peut-être essayé d'étouffer cette lumière chez vous. Et malgré tout, on s'est quand même nourri de cette lumière-là. Et waouh! Et pour certains d'entre vous, vous avez compris ça, que c'est pas vous le problème en fait. Vous êtes une personne singulière. Et là, c'est mon guide à moi qui me le dit. Vous êtes quelqu'un de singulier et cultivez cette singularité. Ne changez pas. Vous faites preuve de clairvoyance. Ne changez pas. C'est un message très fort qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais quelqu'un en tout cas. S'il y a une personne qui avait besoin d'entendre ça aujourd'hui, le message est passé. Et j'ai un guide qui s'est manifesté en face de moi. Et ce message, il avait besoin d'être entendu. Waouh. Ok. Alors, je vais prendre
mon oracle de la triade. Quel autre message pour les énergies de cette semaine-là? Alors, ça veut dire que je me stoppe 2 secondes. Cette semaine, peut-être que certains d'entre vous vont être confrontés à des déceptions au niveau familial. Peut-être que vous mettez vous mettez des choses en place et vous espérez le soutien de vos proches ou de votre famille. Vous n'allez pas l'avoir. Faites preuve de clairvoyance. C'est pas parce que vos idées sont nulles que vous n'aurez pas ce soutien. C'est parce que les gens se demandent comment vous faites pour peut-être, on me dit, vous relever. Alors, peut-être que vous avez, on me parle de galérer. vous avez beaucoup, peut-être souffert dans votre vie, c'est pas peut-être, hein. Je ressens des personnes qui ont beaucoup souffert dans leur vie, mais qui se relèvent à chaque fois, sans forcément avoir tout l'aide et le soutien dont elles ont besoin, mais qui arrivent à se relever, d'accord? Et ces proches, là, ces gens autour de vous, ne vous soutiennent pas. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas vos idées, c'est qu'ils se disent, mais comment est fait? Comment est fait? C'est là la jalousie. Parce que eux, à votre place, et j'ai un guide ici, hein, un ou plusieurs là, en face, eux, à votre place, se seraient effondrés, c'était la fin. Mais vous vous relevez toujours. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais parmi vous, il y a des personnes là qui avaient besoin d'entendre ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai même pas... En dos de... Regardez. Je peux... J'ai même pas commencé. Il y a des personnes, et c'est exactement ce que je suis en train de dire, il y a des personnes cette semaine, ou en tout cas bientôt, qui vont découvrir là le vrai visage de certaines personnes. Vous allez découvrir en certaines personnes des ennemis que vous ne soupçonniez même pas. Ça risque de faire mal pour certaines personnes. Et je vais y aller franco, pour certains, ça peut être un parent. D'accord? Pire que le frère ou la sœur, c'est le parent. Mais c'est fort probable. C'est ce qu'on me dit ici. Quelqu'un qui cache ses intentions et qui est pas du tout... Wow. Et qui en fait qui fait semblant d'être avec vous, qui en fait et qui dans sa tête se dit j'espère qu'il ou elle va échouer. On me dit ça, c'est fort, hein. Alors, 3 autres messages pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît. Quelles énergies cette semaine pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît? Ici, on parle de choix, de pénitence et d'équité. Et le message que mon guide me donne ici, c'est on ne choisit pas sa famille. C'est ce qu'on vient de me dire. Ne vous mettez pas ici en position de soumission ou d'essayer de réparer des... Non, chacun a des leçons à apprendre. Les gens sont comme ça parce qu'ils ont certaines douleurs, certaines blessures qui ne vous appartiennent pas. Vos propres douleurs, blessures vous appartiennent. Il vous appartient de régler, de faire un nettoyage dans votre vie et de réparer ces douleurs-là. Les douleurs de vos de votre entourage, pardon, leur appartiennent, tout simplement. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment... il faut réparer certaines choses, vous rendre justice ici. Parce que l'équité ici, ça me parle d'équilibre, ça me parle de justice, mais ça me parle aussi de guérison. Et j'ai cette notion de prendre du temps pour soi-même, d'apprendre à être égoïste ici, d'accord? De ne plus subir les situations. J'ai des personnes qui sont dans la soumission peut-être par rapport à des membres de leur famille. Il va falloir vous choisir ici. C'est ce qu'on me dit, tout simplement. Cette carte de choix là, c'est pas choisir de je parle plus à telle ou telle personne. Pour certains, c'est peut-être ça, hein. On vous dit ici qu'il y a des personnes de votre entourage. Ça peut être aussi une relation, hein. Vous pouvez être avec un conjoint qui fait semblant d'aimer vous aider ou qui vous dit que c'est nul. Et parce qu'en fait, cette personne, au fond, elle vous admire parce que vous êtes capable de faire ce que lui ou elle ne fait pas. C'est ce qu'on me dit. Et pour certains, bah, d'accord, hein, j'ai la mort ici et on me dit que c'est mieux pour vous, hein, d'accord. Pour d'autres, bah, ça va être des amis et c'est pareil, les amis, personne n'est irremplaçable, hein. Et on me dit qu'avec ce genre d'amitié ou ce genre d'alliance, entre guillemets, hein, vous faites fausse route. C'est dur, mais c'est cash, mais ça me vient comme ça. Il y a des personnes à qui vous faites fausse route. Maintenant, là, on ne choisit pas sa famille, donc on ne peut pas jeter les membres de sa famille. Par contre, on peut mettre le holà.
on peut limiter les visites, les coups de fil, etc., les réunions familiales, on peut ne pas rester longtemps, on peut protéger son énergie, c'est ce que je ressens ici. Message pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, les énergies de cette semaine, s'il vous plaît. On me parle du chariot ici. Peut-être que certains d'entre vous, pardon, devaient faire un déplacement. Pour l'instant, c'est un petit peu compromis. Les énergies de cette semaine. Il se peut que quelqu'un souhaitait se déplacer pour vous rencontrer. Pour l'instant, c'est sans gestation, sans gestation. Ça, c'est pas encore fait. On vous demande de vous bouger aussi, de vous déplacer un petit peu. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'enfermement, vous ne bougez pas trop. D'accord? J'ai quelqu'un, peut-être de la famille, des membres de la famille que vous deviez voir. C'est possible ou qui devait se déplacer pour venir vous voir, puis ça ne s'est pas fait. Alors, des réunions familiales, il peut y avoir un anniversaire ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, hein. On se dit que ce n'est pas le bon moment. Pour certains, on parle de conflit. Waouh! Certains, il y a des secrets de famille ici, hein. On parle de secrets de famille. Et il me semble avoir dit, hein, regardez, c'est vous, c'est les poissons ou les scorpions. Je ne sais même plus. Je perds la tête, excusez-moi. Ça fuse, ça fuse. J'ai parlé de malédiction intergénérationnelle, transgénérationnelle. Je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit ou si c'est dans ma dernière guidance, mais ça me revient en plein visage ici. Et là, on parle de choses, de secrets de famille, de choses qui sont cachées ici. Alors peut-être que ça concerne les scorpions et que de toute façon, vous allez regarder ici aussi, mais on me parle de ça. Waouh! Et il me semble que j'avais dit de discuter un petit peu, soit avec les parents, essayer de savoir, de faire recréer son arbre généalogique. Et il y a peut-être des incohérences qui vont sortir ou c'est pas pour savoir qui est-ce qu'on est le vrai père ou la vraie mère de, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est d'amener à parler un petit peu de la situation. On me parle des circonstances qui entourent la naissance de vos parents, de vos grands-parents, etc. Et parce qu'on me dit que ça joue. C'est bizarre. Alors. Hop. J'ai du conflit ici. J'ai du conflit parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, ça peut être dans la famille ici. Ça peut être dans une relation, d'accord? Ça peut être au travail. Il y a des choses qui méritent d'être dites, d'accord? Et on fait preuve de... On garde pour soi ou par stratégie, j'ai des personnes qui ne parlent pas, d'accord? Donc, forcément, à un moment, on me dit, ça va exploser, ok? Avec cette tour-là, ça explose et il y a du conflit, forcément. Et ça peut jouer dans n'importe quel domaine. Ça ne va pas parler à tout le monde forcément, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Énergie de la semaine. Je n'arrête pas de tomber. Certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a une très forte connexion, probablement un lien d'âme, probablement, d'accord? Et vous deviez peut-être vous voir ou vous déplacer pour voir cette personne et malheureusement, ça n'a pu se faire. Pour certains et pas pour tout le monde, hein, d'accord? Cette personne n'a pas pu venir vous voir parce qu'elle est engagée ailleurs. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, cette personne est à distance, elle vit loin de vous. Vous parlez sur internet ou voilà. Et cette personne, en fait, elle a déjà une situation. Je vois pas qu'il y ait de mensonge ici pour le moment.
Pour certains, on me dit que vous avez pu entrer en contact avec quelqu'un sur Internet qui avait besoin de guérison pour son couple, mais cette personne ne sait pas ce qu'elle vous a dit. Ça encore, ça pète pour tout le monde. Vous me mettrez en commentaire, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un ici qui se bat pour ses idées. J'ai quelqu'un qui se bat pour créer des choses et qui a dû se battre contre plusieurs énergies. Là, ça me renvoie sur toutes ces personnes qui essaient de mettre des choses en place et qui n'ont pas forcément le soutien de leurs proches. Vous n'avez pas besoin du soutien de vos proches parce que tout ce que vous allez recevoir de la majorité d'entre eux, vous voyez, hein, c'est cet homme-là sur ce Seven of Wands, c'est ça, sur ce set de bâtons. C'est cet homme-là qui est seul, qui a réussi à s'élever au-dessus de cette meute de loups, en fait, seul. C'est quelqu'un qui s'en sort seul. Ça ne veut pas dire que cette personne n'aura pas cette meute de loups à ses trousses, mais ça veut dire que vous êtes armé pour savoir, pour pouvoir vous défendre et que vous n'avez pas besoin du soutien de ces personnes-là, finalement, et vous le savez. On dit que c'est le bon moment pour vous, hein. Les créateurs d'entreprises, etc., vous avez la roue de la fortune et le magicien. Vous avez tout, le magicien, il a tous les éléments en sa possession pour manifester, pour créer les choses. Donc, on vous dit avec la roue de la fortune que c'est bénéfique et que c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Il ne faut pas attendre. Et si vous espérez le soutien de Pierre-Paul, Jacques, pour arriver à obtenir ce que vous voulez, vous faites fausse route. Vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous-même. Vous êtes dans cette, pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine transformation et vous avez laissé venir cette abondance. Vous êtes dans cet esprit d'abondance avec l'impératrice ici, hein. Vous avez accepté l'idée que vous puissiez créer quelque chose et l'idée de pouvoir de pouvoir accueillir le succès dans votre vie. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que pour certains, vous ne réussissiez pas, mais vous étiez quelque part inconsciemment réfractaire au succès. Vous aviez peur du succès. C'est ce qu'on me dit ici. Donc il y a beaucoup de prise de conscience cette semaine. Dans les énergies de cette semaine, il y a beaucoup de prise de conscience. D'accord? Qui peuvent être liés au sentimental, bien sûr, au relationnel en règle générale, hein, au sens large du terme, et puis au professionnel également. On me dit que pour certains, vous vous éloignez, vous vous isolez un petit peu de la famille. Vous prenez du temps pour vous, pour faire. Vous ne participez plus forcément à toutes les sorties familiales ou les réunions familiales. Ou, voilà, vous vous isolez pour faire ce que vous avez à faire. C'est ce qu'on me dit. Et on vous dit de faire ce que vous avez à faire. Vous avez la protection par rapport à ça. Ne vous prenez pas la tête, ne vous sentez pas coupable si vous ne participez pas à tel ou tel événement, d'accord? Parce que vous mettez des choses en place et que vous avez besoin de ce temps-là. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir en famille, rigoler, manger, alors que vous avez des choses à faire. C'est ce qu'on me dit ici. Le temps, c'est de l'argent. Pas seulement, mais le temps, l'énergie, c'est précieux. C'est précieux. Et quand on monte quelque chose, ce que je vois pour certaines personnes, ben, le temps est précieux. Et il faut mettre ce temps à profit pour avancer dans vos projets, en fait. On vous dit de savoir ce que vous voulez, de cesser d'être. Si vous avez des choses à mettre en place, il faut arrêter d'être dans la contemplation ou dans la confusion. Il faut y aller, tout simplement. Il faut mettre. Ouais, il faut. Comment on le dit? Ignition. Il faut mettre la clé dans. Il faut tourner la clé, comme pour faire démarrer la voiture, ce qu'on me dit avec le roi de bâton ici. Il faut démarrer. Voilà. Une fois que vous avez établi le contact là, c'est bon, c'est parti. Mais ça ne vient pas tout seul, en fait. On me dit que c'est ce manque de considération, peut-être au niveau de la famille, au niveau des amis, ou peu importe, ou de votre conjoint même, ce n'est pas la première fois. Hein. Vous avez l'habitude, en fait. Donc, vous attendez quoi?
Quel soutien vous attendez? C'est vous qui vous bloquez en fait parce que vous avez quelque part peur du succès. Le succès, il est là. On vous dit de vous regarder. J'ai la roue de la fortune, le magicien, le fou. Lâchez-vous! Lâchez-vous! Le fou, là, il s'en fiche. Il n'a pas de filet de sécurité, ni quoi que ce soit, ni de sac à dos. Il n'a rien préparé. Il y va. Vous n'avez pas à faire comme ça, bien sûr, mais vous connaissez, vous savez dans quoi vous vous lancez. Allez-y, c'est ce qu'on vous dit ici. Faites preuve de plus d'insouciance. Il y a des offres, des propositions que vous avez refusées, hein, pour votre propre bien. Pour votre propre bien. Et là, on parle du sentimental. Pour certains, il y a une rupture, d'accord? Pas pour tout le monde, il y a une rupture et il y a quelque chose de mieux qui vient derrière. Mais pour l'instant, vous avez besoin de faire ce cheminement-là vers l'abondance et vers la prospérité. C'est ce qu'on me dit. Il y a une coupure avec une énergie ici, hein. J'ai deux personnes ici. Une personne qui est très froide, qui a coupé, c'est peut-être vous. Et un roi de coupe ici, qui certes essaie d'utiliser son intuition, couplée à ses émotions pour vous, ses sentiments pour vous, pour essayer de vous comprendre. Mais pour l'instant... Pour l'instant, j'ai deux personnes qui regardent de deux côtés différents. D'accord? J'ai beaucoup de froideur ici. J'ai deux personnes qui ne se parlent pas. Me dit aussi que pour certaines personnes, vous êtes beaucoup fatigué à utiliser votre intuition pour essayer de comprendre quelqu'un et finalement, vous avez décidé de tourner un petit peu le dos. Ouais. De vous passionner pour autre chose ou de faire autre chose tout simplement. D'accord? On me dit qu'il y aura de la communication. Mais dans cette communication, vous allez faire comprendre à la personne ou la personne va vous faire comprendre que vous avez laissé la porte ouverte, mais vous n'êtes pas fermé à d'autres choses parce que ça fait longtemps que ça dure. C'est ce qu'on m'a dit. On parle de conflit là. Pour certains, on parle de conflit cette semaine ou dans les semaines qui viennent. Conflit avec quelqu'un concernant quelqu'un de dépensier, concernant donc le financier. Quelqu'un qui observe, quelqu'un qui récolte des informations. Il me semble que j'ai vu ça sur le scorpion. Qui récolte des informations pour pouvoir s'en servir après. Ça, c'est sur le scorpion. Donc, ça me ressort ici. J'ai quelqu'un, pour certains d'entre vous, ça peut être un ex ou une ex, hein. J'ai la reine de bâton ici, donc c'est un homme ou une femme, hein. Quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui peut être jaloux, qui a un fort tempérament ici, qui peut être un peu autoritaire aussi, c'est possible. Il se met facilement en colère. J'ai quelqu'un qui aime dépenser, j'ai quelqu'un qui est jaloux, qui observe et qui se sert des informations. Alors, c'est soit quelqu'un qui vous observe, soit vous avez des amis en commun. Il y a quelqu'un qui snitch, on me dit. Quelqu'un qui rapporte ce que vous faites ou vous parlez à quelqu'un. Et cette personne raconte à votre ex ou ce que vous faites. Et cette personne s'en sert contre vous pour vous faire du tort. Dans le scorpion. J'avais cette notion de on s'en sert contre vous, on s'en sert pour se rapprocher de vous. Là, j'ai clairement quelqu'un qui s'en sert contre vous et pour son bénéfice financier. Là, c'est dans ce tirage-là, on m'apporte d'autres précisions. OK? Et j'ai la justice. Donc, la justice ici, c'est peut-être pas pour vous. Si c'est pour, c'est peut-être pour vous, d'accord, par rapport à cette personne-là. Soit vous êtes en instance de divorce. Soit vous avez des enfants, soit vous avez un bien en commun ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est comme si on cherchait à savoir ce que vous aviez, ce que vous êtes prêt, ce que vous avez dans les poches, on me dit. C'est peut-être vous, quelqu'un à côté de vous, hein, ou votre autre personne dans le sentimental. On parle de réconciliation, de fin d'un cycle et de réconciliation, d'accord? Peut-être à quelqu'un qui est un petit peu lointain en ce moment, qui ne parle pas beaucoup. J'ai quelqu'un qui
qui se maintient à l'écart d'une possible évolution en vie de famille. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui n'est pas, vous voyez si ça vous parle, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. C'est aussi pour ça que vous transformez, vous évoluez, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt et on me dit aussi que cette personne-là, ben, elle a des choses à régler. Il y a peut-être même une famille, pour certains, il y a peut-être une triangulaire, pour certains, il y a peut-être même une famille encore à entretenir, d'accord? Je vois cette personne dans l'instabilité familiale aussi, et j'ai quelqu'un qui, du coup, se ferme, quelqu'un qui devient extrêmement rigide et qui se ferme. J'ai beaucoup de froideur ici. De froideur, de rigidité, de manque d'ouverture d'esprit, hein. Ouais. Moi, j'ai une histoire aussi passée qui n'a pas fonctionné. D'accord? Il y a une histoire dans le passé ici qui n'a pas fonctionné. Où on a coupé. On a peut-être donné beaucoup dans une situation, dans une relation passée, puis on a décidé de partir. La communication est difficile avec cette personne, on me dit. Il y a eu de gros bouleversements, on est parti. On a peut-être réessayé quelque chose avec cette personne, puis on s'est rendu compte que c'était pas, que ça ne valait pas la peine. Cette personne a montré son vrai visage, on me dit. On me parle de quelqu'un d'assez vénal, hein, très intéressé par le financier, qui effectivement cherche des informations pour son propre bénéfice, pour pouvoir nuire à l'autre personne pour son propre bénéfice. C'est ce qu'on me donne ici, d'accord? Si dans une histoire sentimentale, tout ça c'est la vie de votre autre avec, et pour moi il y a une ex ici. D'accord? Vous êtes là. Vous êtes aussi là avec votre autre. Votre autre est là, vous êtes là et vous êtes là. D'accord? Donc pour moi, vous avez peut-être tenté une réconciliation avec votre autre et ça n'a pas fonctionné. On ne parle pas de rupture à proprement parler, on me parle de blanc, de coupure, de stand-by. J'ai plus ça qu'une rupture. D'accord? Je ne vois pas la rupture. Je vois que c'est douloureux pour vous, vous prenez ça comme une rupture. Et votre autre aussi peut-être prend ça comme une rupture au niveau de l'univers. Ici, on vous parle de stand-by. D'accord? Chacun reste dans son coin, s'occupe de ses affaires, entre guillemets, parce qu'il y a des choses à régler ici. Ouais. Il y a pu à un moment, on a pu mettre votre autre en face d'un choix. D'accord? Même si vous avez senti une forte connexion, votre autre a sorti une forte connexion. J'ai quelqu'un, j'ai cette énergie de feu là. Une, deux, trois, derrière votre autre, qui est plus posé, plus stable. Quelqu'un d'immature, qui s'emporte facilement, qui pète les plombs facilement, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Et votre autre vous a rencontré. Il y a peut-être un moment, eu un moment de battement, même si cette personne était célibataire. Il y a eu un moment de battement où c'est dit, ok, je retourne en arrière. Peut-être qu'il y a une famille, des enfants, peu importe, je ne sais pas, des biens en commun ou des choses comme ça. Est-ce que je retourne en arrière ou est-ce que je retourne? Et du coup, j'ai l'impression que cette personne a été prise un petit peu entre deux feux. Et ce qu'elle a fait, c'est de s'isoler, de rester toute seule en fait. Et je pense que ça fait un moment qu'elle fait ça. Là, il y a encore de la communication et tout. Avec vous, il y a de la communication, peut-être en dents de scie. Mais cette personne, elle s'occupe vraiment d'elle-même. Elle est plus centrée sur elle-même. C'est ce que je ressens beaucoup ici. Ouais, vous, j'ai quelqu'un vraiment voilà, qui s'occupe de lui-même ou d'elle-même et qui pour l'instant préfère être seule, d'accord? Plutôt qu'être engagée avec qui que ce soit. Et on vous demande d'adopter la même attitude en fait. Peut-être sans la rigidité en moins, mais en tout cas d'essayer d'aller vers votre prospérité. En fait, ce que vous faites, c'est, j'ai l'impression que votre autre fait la même chose. C'est que peut-être, moi, enfin, c'est pas peut-être. Juste à côté, j'ai l'impératrice. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Votre autre sent ou voit que vous avancez. D'accord? Et. Lui ou elle a envie d'avancer pour être au même niveau que vous. C'est ce que je ressens ici. Voilà ce que j'avais pour vous comme énergie de la semaine. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, avoir une consultation privée, personnalisée, hein, selon vos problématiques à vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Prenez soin de vous, je vous retrouve très bientôt. Je vous prépare une vidéo là, enfin je vous prépare, non, ça ne se prépare pas puisque j'y pense en tout cas.
sur les conversations avec votre autre, ce que votre autre souhaite vous dire. Donc très bientôt, je ne vais pas planifier, je ne saurais pas vous dire quand exactement, parce que bah, chez moi c'est spontané, hein. Ça vient spontanément, mais ça ne va pas trop traîner. D'accord? Cette semaine, je vous poste ça. Cette semaine, je vous poste les conversations avec votre autre. D'accord? Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez très soin de vous. Oui, prenez très soin de vous. Prenez bien soin de vous. Que la paix et la lumière soient avec vous. Au revoir.